Messieurs, dames, Dragon Ball Super Card Game Fusion continue de faire parler de lui puisque ça y est, Bandai Namco a enfin libéré la bête. On a la version digitale, disponible uniquement sur PC. Cependant, de ce que j'en vois, les Japonais sont en train de réclamer une version mobile. Et je pense que ça arrivera au fil du temps. Et au vu du succès, la Bandai, je pense qu'ils sont pris de court en disant « Attendez les gars, ça cartonne ?» Oui, oui, on est en rupture partout, il n'y a pas assez de stock, qu'est-ce qui se passe ? C'est la folie, on est d'accord. Donc les Japonais réclament la version mobile. Je pense que ça va sortir, puisque Isekard as Dragon Ball, alors oui, hein, tout ce que vous avez actuellement est basé sur Isekard as Dragon Ball qui était en avance sur son temps. Hein, rentrer ces codes de merde là, ça me casse les burnes alors qu'à l'époque on avait des puces NFC, on avait notre carte, c'était fini. Hein, il y a juste à poser. Donc à l'époque on avait une version mobile, on avait une version PC, on avait tout dans la poche, tout, n'importe où, n'importe quand, on pouvait s'éclater, hein, tout simplement. Donc je pense que ça arrivera. Ce que je vais vous proposer, et vous l'avez vu, vous l'avez entendu également, hein, je le répète, vous allez avoir tous les jours une vidéo battle le matin. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo si vous n'aimez pas Dragon Ball Super Card Game Fusion. Hein, vous allez avoir votre contenu habituel, les vlogs, les figurines, les réactions, on traîne des pieds dans Tokyo, etc. Pas de soucis, ça sera toujours disponible. Par contre, le matin, vous allez avoir du Dragon Ball Card Game Fusion World. Ça à 100%. Donc le matin, je vous propose ça. De temps en temps, le midi, vous allez avoir des tirages. Et on va faire des tirages là aujourd'hui, hein, dans cette vidéo du jour. On va aller voir si je chope du lourd en unboxing. Unboxing virtuel. En attendant de pouvoir avoir des cartes, hein, s'il te plaît, Bandai. Moi, je veux du physique, hein, je veux du lourd, s'il te plaît. Et puis voilà. Donc voilà, c'est le programme sur la chaîne. Le matin, de la cacarte. Le midi, de temps en temps, de la multi-invocation. Le soir, truc habituel. Figurines, jeux, Tokyo, Japon, tout ça, tout ça. Hein, Marty, on est chaud, on est chaud, on est bien, on est bien. Oui, on est bien. On va passer directement au gros plan. Ma gueule, tiens, voilà. Hein, oh putain, j'ai changé la tenue. J'en pouvais plus de voir son nombril, son ventre et tout. Mais qu'est-ce que c'est que... Stop! Stop! Donc je suis level 1, je n'ai quasiment rien, j'ai rentré tous mes codes à la main, ça m'a pris 1000 ans, bordel de merde. Et aujourd'hui, là, maintenant, on va aller sur le store, bim! Sors, s'il te plaît! Et on va se faire... Déjà, on va se prendre un deck, on va se prendre un petit deck. Bien évidemment, et vous le savez, moi, c'est Goku, à fond. J'ai pas le blue pour le moment en démat, alors j'espère que je vais choper le Goku en démat. Mais en attendant, je me prends le deck rouge, voilà. Je suis vraiment à fond. Voilà, le deck rouge, c'est la vie. Je sais que beaucoup sont à fond sur le deck vert de Broly. Ici. Donc le deck vert, c'est... Putain, je vois des débats de dingue. Mais vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu des Japonais se prendre la tête pour des battles. Certains disent que le Broly, il est surpuissant, il nique tout, ça déchire, machin, etc. Et à côté, vous avez la team rouge qui dit « Mais non, mais le Goku, il te défonce la gueule, il a un bon équilibre. Pour démarrer, c'est cool, mais une fois que tu maîtrises le deck rouge, il te défonce Broly. » C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Cette ambiance, elle est trop bien. C'est trop puissant, bordel de merde. Alors, oui, oui, oui. J'en suis... Oui. Alors, j'ai ici, vous le voyez, 30 tickets. On va pas se prendre la tête, hein, je vais faire une dizaine. Voilà. Vous allez avoir de la multi-invocation, une dizaine de boosters à chaque fois. Parce que sinon, ça va être long et chiant à mater. Et je vous le dis, hein, encore une fois, je regarde ceux qui font des unboxings. Et les unboxings qui dépassent 30, 40 minutes, 50 minutes, c'est pas possible, c'est pas possible. Je m'endors devant la vidéo, je suis désolé, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, donc je vais faire des vidéos de 10, 15, 20 minutes, grand max. Mais là, je parle de déballage. Mais 40 minutes! C'est long, c'est long. Donc je m'adresse aux autres créateurs de contenu ou ceux qui partagent tout simplement leur passion sur YouTube. Faites des vidéos courtes, s'il vous plaît. C'est cool, c'est cool. Alors, j'en suis où? Je suis perdu. Ah, ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté ici, vous le voyez, regardez. SR rare ou au-dessus, si tu dépenses 1000 gemmes. Putain, on peut avoir ça dans la vraie vie? Au lieu de dépenser 5 000 yens dans une boîte, tu dépenses 8 000 yens, mais t'es sûr d'avoir des trucs de dingue. Oh, ça se vendrait à des prix de fou. On va se faire donc... je sais pas, je pense que je vais me faire un truc comme ça. Il y a aussi les cartes promotionnelles. On va se faire du tirage. Est-ce que je vais choper les 5? On va le faire tout de suite. Et puis voilà. Hein, allez, go. On va commencer par les cartes promotionnelles que j'avais obtenues lors du Tokyo Game Show. Gem Festa, excusez-moi.
Alors, on se connecte. Oui, complète. Et alors ? Où est-ce que c'est, bordel ? J'ai eu... C'est direct dans mon deck ? C'est ça ? C'est direct dans mes cartes ? C'est direct quelque part ? Édité ? Extra, battle, machin. Alors, il y a eu des bugs. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bugs. Ça a gueulé. Ah oui, bah, je l'ai déjà dans... Ok, je l'ai déjà dans... Ok, ok. Bon, bah, on sait pas sur quelle carte on tombe, sur laquelle j'obtiens. On s'en fout. Hein. Hop. Oui. Ok. Donc, vous avez eu une carte promotionnelle. J'aimerais bien savoir laquelle. Hein. Liste des cartes. Merci. Hop, j'en prends 3. Est-ce que je chope à chaque fois Goku ? Hein ? Hein ? Je voudrais savoir, je vais dans mon deck. Ça me rend dingue, ça me rend dingue. Qu'est-ce qui se passe là ? Je vais voir un petit édité. Donc là, j'ai mon Goku. Ah, j'ai le Freezer. D'accord. J'en ai 3. Est-ce que je chope absolument tout ? J'ai les Broly, j'ai tout ? Ah oui, j'ai le Bobo. Ok. Est-ce que j'ai les... Ah oui. Ok. Ok, tout est là. Tout est là. Bon, bah, vous savez quoi ? Je vais tout dépenser. Je vais tout prendre. On sait pas ce que c'est, mais bon, tant pis. Hein. C'est con, là. L'interface est toute pourrie. Sold out. Vous avez plus rien ? J'ai tout pris ? Ok, j'ai tout pris. Allez, c'est parti pour la multi-invocation unboxing Underworld, Underflinks, Underflust. Est-ce que je fais... Bon, on va faire un petit paquet d'abord. Attendez. Un paquet. Ding. On va en faire 10. S'il vous plaît. Ok. Yes. Zébardi. Alors, quand ça brille dans tous les sens, ça veut dire qu'il y a du lourd dedans. D'accord, on va commencer par les boosters de merde. Putain, j'ai envie de les déballer en vrai. On commence ici, ok, de la commune. On va se faire ici une petite rare, sympathique. Une leader. Putain, il me faut ma leader blue, sinon je pète un plomb. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Elle commence à prendre en code celle-là, au Japon. Ok, next. On va se faire ensuite le petit booster. Putain, si on pouvait les recevoir en vrai après à la maison, tu sais. Petit android sympa. Ok, le Tenshin Han à surveiller. De la commune. Du Vegeta. Ok. Ok, petite rare. Pareil, celle-ci, elle commence un petit peu à côté. C'est du Fenyon, ça. Ça, c'est du Fenyon, ça. Tac. Et vous l'aurez remarqué également, j'ai mis l'application, le jeu en anglais. Parce que, comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu. Hop là. Hop, ici, rien de fou. Enfin, rien de fou. Hop, des communes. On bouffe des communes. Hop, ok. Petite rare d'un Trunks dégueulasse. C'est quoi ce... Allez, Zébardi, là. Là, ça, il y a du violet, là. Tiens, mange le violet. Ok. Une SR. Ok. SR. Commune. Oh, sympa. Hop. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Et du coup, les cartes promotionnelles qu'on a dans les Jump, les V-Jump et compagnie, les Psycho Jump, comment on fait pour les récupérer ? Petite leader dans les parages. On verra ça plus tard. Doudoudoudoudou. Allez, vas-y. Bim. Commune. Équipe verte. Du rouge, ça, on va surveiller. Hop. Et on a ensuite une Freezer bien vénère. SR. Ok, next. On continue. Commune. Ok, équipe orange. Orange. Putain, j'ai pas beaucoup de rouge. Ça fait chier un petit peu. Let's go. Ouh, ça c'est bon, ça fait plaisir. Et on l'a vu ensemble, hein. Oh, regardez.
ils ont rajouté des petits effets dans la version digitale pour t'amener ce petit côté clinquant qu'on retrouve dans le physique. Elle est très jolie en vrai. Allez, on continue. Très très joli. Bim, 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 bim. Petite rouge. Bim. Ou encore une Gohan. Le Kulilin. Ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. Et let's go. Pour la SR des Ginyu Tok Sentai. Ok. Allez, encore deux paquets. J'pim. J'pim. Là, ça clignote. Hein, ça clignote, messieurs, dames. J'pim. J'bim. Encore de bim. On the flucht. Ouh, encore un Vegeta. Et on a encore un Freezer. On the flucht. On the flucht. Allez, vas-y, donne. Donne des cacartes. De donne. Bim. 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 Putain, le vert, ça y va. Hein. Le vert, ça y va. Hein. Ah, je peux me faire une bonne équipe verte, là. J'ai l'impression. Oh, de la maille. Allez, on se fait le dernier paquet de l'espace. Bim, boum. Flucht, inst, hasht. Allez, donne, donne un petit peu là. Oui, 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 à la fin, oui, ça y est, je vais pouvoir faire mon deck. Ah, je jouais pas tant que je n'avais pas le Goku Blue. Ça y est. Ça y est, il est là, mon leader, il va péter des gueules, bordel. Hein, quand il est éveillé, tu poses des personnages de l'univers 7 en jeu, ils prennent 5000 en puissance et bim dans ta gueule, Broly, bim dans ta gueule. En puissant, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, il y a eu un bon tirage, là, il y a eu un bon tirage. Vous avez chopé tout ça, messieurs, dames. Oui, merci, de la SR, de la SR. De la leader, de la rare, x2 la Gohan. Et puis voilà, écoutez, on va se faire d'autres multi-invocations, mais ce sera dans une autre vidéo, parce que là, j'ai faim. J'ai faim, je vais aller manger. Allez, les amis, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires et à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!